Les charges, monsieur, veuillez les répéter. Milord, la cour de sa majesté avance que les défendresses, Mary Read et Anne Bonny, ont, selon des méthodes contraires au droit et relevant de la piraterie, attaqué, combattu et pris 7 embarcations de pêche. En outre, la cour avance que les défendresses ont parcouru la haute mer et ont attaqué, bombardé et capturé 2 goélettes marchandes en menaçant leur capitaine et leur équipage de s'en prendre à leur vie. Edward James Kenway, né d'une union douteuse à Swansea, d'un père anglais et d'une mère galloise. Marié à 18 ans à Miss Caroline Scott, aujourd'hui séparé. Une fort belle femme, m'a-t-on dit, mais des plus misérables ces temps-ci. Si vous la touchez, bande de lâches. Quelle surprise de vous trouver ici, à pourrir dans une prison jamaïcaine. Selon les rumeurs, vous aviez rejoint le pirate Roberts. Si tu sais où l'observatoire se situe, parle sans tarder et tu sortiras aussitôt de ce trou. Rogers peut encore contenir ses chiens anglais, quelque temps. Mais un sort funeste vous attend si vous refusez de coopérer. Vous, Mary Read et Anne Bonny, serez escortées à l'endroit d'où l'on vous a extraite, puis de là serez conduites au lieu de l'exécution où vous serez chacune pendue par le cou jusqu'à ce que la mort s'empare de vous. Sale rat ! Puisse Dieu, dans son infinie miséricorde, avoir pitié de vos misérables âmes. On est enceinte ! Vous entendez ça, vous tous ? Mais que diable a-t-elle dit ? Elles plaident leurs entrailles, Milord. Ah, on ne pend pas une femme qui porte un petit, c'est bien ça? Silence! Silence! Si ce que vous prétendez est vrai, nous sursoirons à votre exécution, mais seulement jusqu'à l'avènement de votre terme. Alors j'aurai plus qu'à être enceinte la prochaine fois qu'on viendra me chercher. Emmenez ces femmes! Ton nom, parasite? Kenmore? Conway? C'est Walpole, c'est ça? Walpole? D'où est-ce que tu tiens ça? C'est le bruit de cours. Le pirate le plus sale et le plus stupide à avoir jamais écumé les Caraïbes. Eh bien, quel que soit son nom, on est là pour le faire souffrir tant qu'il meurt pas. Ordre du gouverneur. On le ramènera à la nuit tombée. Et on lui masse les pieds s'il a mal, c'est ça? T'avertirez pas deux fois! Eh oh! Hey! Arrête ça, compris? Hey! Arrête ça! Bonjour, Capitaine Kenway. J'ai un présent pour toi. Ne te méprends pas sur mon geste. Je viens pour Anne et Marie, et je ne demande rien en échange. Mais si tu me prêtes main forte, je fais le serment de t'aider à sortir d'ici. J'ai besoin d'armes. On m'a dit que tu savais te servir de ça. Il faut faire vite. Sight.
peut-être des amis qui veillent sur lui. Ou de l'argent, comme ce Steed Bonnet des Barbades. Non, non, lui, ils l'ont pendu. C'est vrai? Ouais. Il s'est effondré comme un lâche dès qu'il a vu la potence. En pleurant comme un veau. Tu parles d'un pirate. Tu n'as jamais vraiment été un ami, Jack Rackham. Pas plus que tu n'étais bon marin. Mais tu étais étrange et plein de vie. Et tu m'as fait rire plus d'une fois. Et ça me suffit pour être triste de te voir comme ça. J'espère que tu profites de la paix parmi les morts. Hold! Give over. Don't say a thing. I got him in my sights!
Clear shot on him. Making a run for it. Nothing. To hell with it. Hey, get up. What's wrong? Hey! We've lost the enemy threat. Stop! I'll beat the bejesus out of it. Ready to take the shot! I've got a dead line on him! To the king, my lasting plea, to faction and to wealth. You want to take this that way? Come, let us sing, while we have learned that there is no king to have heard of. I hear that will. Te voilà, Vern. J'avais entendu dire qu'on t'avait amené ici. J'ignorais que tu avais sombré si bas. Aide-moi ! Bonne chance, mon vieux. J'aurais aimé qu'on se quitte bons amis. Marie. Marie, c'est moi, Edward. Edward ? Qui c'est, ce gars-là ? N'aie crainte, Anne. C'est un ami. Marie ne va pas bien ? Elle est malade. Et son enfant ? Ils l'ont emmené. Je sais pas où. Ah ! Oh ! Je sais que tu as très mal, mais nous devons rester discrets. Tu peux marcher ? Viens, appuie-toi sur moi. Je peux pas. Fouillez chaque cellule. C'est bien, continue. Tu vas t'en sortir. Arrête, par pitié. Je t'abandonnerai pas. Accroche-toi.
Ça sert à rien. Y a personne ici. Je te laisse pas ici. Jamais de la vie. Repose-moi, Edward. Je ne serai qu'un fardeau. Va-t'en. C'était pas censé se passer comme ça. Pas toi. C'est moi qui devrais mourir, moi. J'ai fait mon devoir. Et toi, Edward? Si tu viens avec moi, j'y arriverai. Marie? Je serai avec toi, Kenway. Toujours. Dispersez-vous! Fouillez toutes ces cellules! Stop him!
Qu'est-il arrivé à Marie ? Est-elle morte ? Qu'est-ce qu'elle a ? Oh non ! Oh Seigneur ! Que vas-tu faire maintenant ? Plus rien n'a de sens. Tu ne l'as pas mérité, mais elle te va bien. Bonne fortune à toi, Edward Kenway.